Oui. Très bien. Ça marche. Alors. Alors, je parlerai sur la guerre de 100 ans. Alors, c'est un peu difficile de raconter comment se dit, les causes de la guerre, les choses qui ont fait la guerre de 100 ans. Mais je ferai un résumé de la guerre. Alors, au 14e siècle, le roi d'Angleterre, qui était Édouard III, il possède des territoires en France. C'est une chose historique que le roi de France ele possède des territoires en France. Il est donc le vassal du roi de France. Qu'est-ce que c'est un vassal? C'est une personne qui fait un serment de fidélité à un seigneur. Un échange de fief. Un fief se dit en portugais um feudo. Alors, ele é um vassal de ce roi. Pour affirmer son autorité, Philippe VI, qui était le roi de France, il ordonne à Édouard III, qui est le roi d'Angleterre, de venir lui jurer fidélité. Alors, c'est un motif pour commencer la guerre. Ici, c'est le roi Édouard III, qui était roi d'Angleterre de 1327 à 1377. Et regardez dans la carte que l'Angleterre, il y a un petit morceau de la France qui l'appartient, qui s'appelle les duchés de Guyenne, qui est presque aujourd'hui la région d'Aquitaine en France. Alors, à cette époque-là, cette partie de la France faisait partie de rue d'Angleterre. Ici, c'est le Philippe VI, qui était roi de France de 1328 à 1350. Alors, Philippe VI, il sait très bien que jamais le roi d'Angleterre ne viendra se prosterner, se mettre en genoux devant lui. Mais comme son vassal ne lui obéit pas, que le roi Édouard III, il récupère son fief. C'est le motif pour reprendre les fiefs de Guyenne. Édouard III, il est très fâché à cause de ça. Il veut récupérer la Guyenne et même, si possible, tout le royaume de France. Alors, pour devenir le roi des pays, de France e Angleterre. Isso é a guerra. E a guerra ele vai durar mais de 100 anos. Ele fala que é a guerra de 100 anos, mas, em verdade, é a guerra de 116 anos. 116 anos. Alors. Bien. De 1337 a 1453, que é a época de la guerra, alors são 116 anos. La guerre, elle a changé de période de paix et de guerre, de combat et de paix. De nombreuses batailles auront lieu, parfois gagnées par les Anglais et parfois gagnées par les Français. Et les frontières du territoire changent très, très souvent à cause de la guerre et des batailles. La guerre entre la France et l'Angleterre est stoppée. Elle est arrêtée par l'épidémie de la peste noire, entre 1346 et 1371, la guerre s'est fermée à cause de la peste noire. Bien, je vais raconter les plus importantes batailles de la guerre de 100 ans. La première, c'est la bataille de Crécy. La bataille de Crécy, qui est liée à 1346. Alors, pendant cette bataille, les Anglais vont utiliser une arme formidable qui s'appelle l'Arglon. Au fin de la présentation, de l'exposé, je vais vous expliquer ces choses-là de Arglon et autres armes de la guerre. Les Français sont trop sûrs de gagner la bataille. E les chevaliers français, eles se précipitent en attaquant tous ensemble
protegé por des arbalétiers. Arbalétiers são les soldados que utilizam l'arbalète. L'arbalète, c'est un type d'arme que je vous expliquerai après, que é um tipo de. Em português se diz besta ou balestra. Mais, ce jour-là, de cette bataille, il a plu et le sol est couvert de boue. De boue. Ele chegou onde mal a correr e se fatigue très vite. Ils sont arrêtés par un marécage de boue. Alors, imaginez le cheval, com les chevaliers, com l'armature très pesante, ils sont fermés à cause de ces boue que é produzido por La Pleu. Cette bataille é uma catastrophe pour l'armée française. De milliers de soldats et la plupart des vassaux du roi de France sont tués par les archers anglais. E Felipe VI é obrigé de se sauver avec seulement 50 soldats. Imaginez que milhares de soldats français sont tués par les Anglais. Alors, ici, à la carte, c'est l'île de Crécy où la bataille était faite. La seconde bataille très importante, c'est le siège de Calais. Alors, le même roi, Édouard III, ele profite de sua vitória a Crécy, alors ele é très heureux de la victoire, pour attaquer Calais. E ele fait un siège de la ville. Ele é, como se diz, ele é enfermé toute la cité e a fait un siège. Le siège de la ville dure 11 mois. 11 mois. L'armée anglaise empêche les habitants de la ville de sortir. E atendo que eles meio de fã, imaginei, porque na rive pas de nourriture, alors eles vão meio de fã. Après ce long siège, les Anglais rentrent dans Calais. E por evitar les massacres de tous les habitants, Édouard III exige les sacrifices de six bourgeois. Alors, le peuple devrait choisir six personnes influentes, six bourgeois, pour être exécuté pour Édouard III. Et grâce au courage de ces six bourgeois, les habitants sont épargnés. Mais la guerre n'est pas terminée. Autre bataille importante, la bataille de Poitiers. Poitiers. Et Poitiers? Poitiers. À Poitiers, cette c'est une époque. ville universitaire aujourd'hui très très célèbre en France. Poitiers, j'ai une élève qui est allée à Poitiers pour faire son doctorat à Poitiers. Ah, bien. À cette époque, le roi de France était Jean le Bon. Le roi de France est Jean le Bon. Et le roi d'Angleterre, c'est le même Édouard III. Et en 1356, la guerre reprend. Les Anglais gagnent la bataille à Poitiers et font prisonnier, le roi de France, que é Jean le Bon. E les Français, les seigneurs de fief français, ils sont obligés de payer une rançon pour libérer le roi. E como eles vão payer ces rançons? Eles vão payer avec des territoires. Eles vão donner des territoires à les Anglais pour faire sortir le roi Jean le Bon. Alors, il faudra attendre Charles V, que é fils de Jean le Bon, pour que la France recommence à gagner des batailles. Charles V confie son armée aux ordres d'un de ses vassaux, un de ses généraux, qui s'appelle Bertrand de Guesclin. Alors, de Guesclin va harceler les Anglais, en tendant des pièges. Ele fait comme un type de guérilla. De guerrilha, os anglais, sans jamais se faire attraper. Graças a esse petit ataque, tipo na guerrilha, que vão faire beaucoup de morts, les Français vão réussir petit a petit a recuperar presque tous les territoires que são perdus contra les anglais. E à la morte de Guesclin e de Charles V, les anglais, eles possèdent seulement cinq ports en France. Que c'était Calais, au nord, Cherbourg, en Normandie,
Brest, en Bretagne, et Bordeaux et Bayonne, qui est au sud de la France. Mais la guerre semble alors terminée, gagnée par les Anglais, les Français. Les Français sont très heureux. Non, la guerre est finie, nous avons gagné. Mais à la mort de Charles V en 1380, c'est son fils Charles VI qui lui succède. Mais peu de temps après son arrivée au trône, le roi Charles VI, il devient fou, complètement fou, Et les Anglais profitent alors de ces événements pour attaquer la France à la bataille de Azincourt. C'est la bataille de Azincourt en 1415. Et Azincourt, regardez, c'est au nord de la France, presque à Calais. Proche à Calais. Alors, la bataille de Azincourt, malheureusement, les Français, ils font les mêmes erreurs qu'ils faisaient 70 ans plus tôt. Les chevaliers français, lourdement armés, com l'armature, com les épées, com toutes les choses là, ils sont certains de vaincre la bataille. Mais comme a cresci 70 ans après, ils se font massacrer por les archers anglais. E la défaite est terrible. Pour entendre ces choses, il y a 10 000 morts sur le côté français e seulement 60 morts sur le côté anglais. Alors, c'est un massacre terrible. E les Français sont alors obligés de signer un traité de paix dans lequel il reconnaît que le roi d'Angleterre, Henri V, est aussi le roi de la France. C'est une chose terrible. Mais Charles VII, qui est le fils de Charles VI, qui devient fou, il est furieux d'avoir été déshérité de son royaume et décide alors d'être quand même le roi de France aussi. Alors la France était des rois. Charles VII, qui était roi de France, et roi d'Angleterre, qui était roi de France. Alors, la France est divisée par des pays. Regardez dans la carte que les possessions anglaises sont en bleu et le royaume de Bourges, qui était gouverné par Charles VII, c'est la partie orange. Et Charles VII n'est pas aussi puissant, faire la guerre contre les Anglais. Alors, il reste ali à Bourges pour son royaume. Ici, c'est le roi Charles VII. Mais, à ce moment-là, apparaît un personnage très important qui s'appelle Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc était une jeune bergère qui est née à Domrémy et c'est Jeanne d'Arc, une petite jeune. Elle avait, à cette époque-là, 17 ans. Et elle dit qu'elle a tant de voix mystérieuses qui lui demande de sauver la France et d'aller combattre contre les Anglais. Alors, elle quitte sa ville, à la Lorraine, et elle part pour rejoindre le roi, qui se trouve à Chinon. La cour de roi était à Chinon. Et elle veut prendre la tête de l'armée française. Et Charles VII fait confiance à Jeanne d'Arc et lui confie son armée. Alors, Jeanne d'Arc libère la ville d'Orléans et elle aide Charles VII à se faire sacré roi à Hans. On doit parler l'Ouest. Hans. Alors, elle se fait sacrer roi à Hans. Et comme tous les autres rois sacrés par les papes. Alors, pour montrer aux Anglais et à les Français qu'il est le vrai roi, il est roi parce qu'il détient le pouvoir de Dieu.
Alors, ce sont des images de Jeanne d'Arc, commandée l'armée française. Ici, c'est le sacré de Charles VII comme roi des Français. Mais Jeanne d'Arc fut capturée et remise aux Anglais. Et aux Anglais, les Anglais, ils l'accusent, elle, d'être une sorcière. Elle est jugée et condamnée à mort. Et elle sera brûlée vive à Rouen. Rouen. À Rouen, en 1431. Alors, Jeanne d'Arc a redonné du courage aux Français qui vont gagner presque toutes leur bataille après ça. Et même à la mort de Jeanne d'Arc, la France, était vainqueur. Alors, Jeanne d'Arc fut réhabilitée en 1456 et canonisée en 1920. Et la guerre de Cent Ans prend fin en 1453. Les Anglais ne possèdent plus que Calais. Ils sont totalement expulsés de la France et ils finiront par quitter Calais en paix plus tard. Mais le royaume de France était dévasté par la guerre, malheureusement. Alors, par curiosité, j'ai choisi de vous expliquer quelles sont les armes plus importantes qui sont utilisées pendant la guerre de Cent Ans. Alors, les Anglais, ils utilisaient beaucoup l'arc long. L'arc long. Ce type d'arme é um tipo de arma que é très typique des Anglais. E les Français, eles vão utilizar l'arbalète. L'arbalète, que é l'arme que é essa imagem aqui. Quelle est la différence entre les deux armes? Quando nós regardons um tableau, uma peinture de cette époque-là, c'est facile de savoir qui sont les Anglais e qui sont les Français. Alors, se nós regardons essa imagem aqui, no povão voar que à gauche são les Français, parce que eles vão de arbalète, que é esse tipo de arma, ici, ó. Ici são les Français. E ici são les Anglais, parce que eles utilizam l'arc long. Oui? Se nós regardamos outro tableau, c'est la même chose. Qui sont les Anglais? Qui sont les Français? Ici, les Français sont à droite, parce que eles utilizam l'arbalète. E se são les Anglais que utilizam l'arc long. C'est très intéressant de voir ça. E pourquoi eles utilizam esse tipo de arma de Ferrand? Alors, na comparação de cette arma. L'arc long, c'est possível de avoir une grande cadence de tir. Alors, un archer bien entraîné, il peut disparaître ou il peut tirer 12 tirs par minute. Alors, c'est très, très vite. Et l'efficacité de l'arc long est environ 500 à 250 mètres d'efficacité. Mais les soldats, ils se fatiguent facilement parce que c'est fort de tirer l'arc, il fatigue très vite les soldats. Et aussi, ils ont besoin de beaucoup d'années pour entraîner ces soldats, pour être, être professionnel. Pour maîtriser l'arc long, ils ont besoin de beaucoup d'années de formation. Alors, au contraire, l'arbalète, il a une basse cadence de tir, environ 4 tirs par minute. L'efficace, c'est un petit moins que l'arc long, entre 100 à 200 mètres. Mais les soldats ne se fatiguent pas, parce qu'ils n'ont pas besoin de faire beaucoup de force. Et est très, très, très facile à manipuler. Tu peux conseiller un arbalète à quelqu'un, et il va tirer facilement avec l'arbalète. Et pour montrer ça,
j'ai cherché une vidéo, il n'a pas de son. Je pense que nous pouvons regarder seulement l'image. Si ne marche pas, ce n'est pas important. Só pour vous montrer comment se utilise un type de arbalète. Alors, et j'ai trouvé aussi qu'une des choses qui a fait que les Français gagnent la guerre aussi est qu'à la fin de la guerre, 1450, sont arrivés en France les premiers canons. Les premiers canons qui sont utilisés avec les poudres. Alors, ils ont une arme très plus puissant que les Anglais. Alors, l'arrivée des armes de feu en France fait com que les Français gagnent aussi la guerre. Et pour finir, je vais vous montrer quelques photos de mon voyage en France de 2017, où j'ai visité la ville d'Onrémy, où est né et où est vécu la Jeanne d'Arc. Alors, c'est une petite ville très jolie en France. J'ai fait la visite parce que j'ai envie de connaître les lieux où est né et où est vécu Jeanne d'Arc. Ici, c'est l'église où Jeanne d'Arc était baptisée et où elle fréquentait pour la messe. Et où disent qu'elle écoutait les voix de Saint-Michel, de la Vierge qui parlait avec elle pour combattre les Anglais. Ici, c'est la maison de Jeanne d'Arc où elle est née. Et aujourd'hui, c'est un musée. Et c'est peut visiter. Malheureusement, ce n'est pas possible de faire des photos dedans la maison, seulement la partie extérieure de la maison de Jeanne d'Arc. Et il y a aussi un sentier de promenade autour de la ville, que c'est possible de faire des promenades pour regarder les lieux où Jeanne d'Arc marchait, quelles sont les images qu'elle a regardées de son enfance. C'est très, très joli de faire ça. Et c'est la fin. Bravo, Ibanez. Très bien, très jolie, très bonne présentation. Aujourd'hui, je ne vais pas parler des erreurs, je vais parler juste ce que j'ai trouvé positif, parce qu'après, je vais faire un rapport, comme tous les semestres, avec j'ai pris beaucoup de notes, donc après, je vais faire un rapport avec tout cela. Et comme ça, comme on est en train d'enregistrer, vous pouvez regarder une autre fois et voir ce dont je parle. OK? Mais c'est très bien, Ibanez. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Elle est très compliquée, comme tu as dit. Il y a beaucoup de batailles. C'est très difficile parce que c'est plus de 100 ans de guerre. Ce n'est pas facile à raconter. Oui, mais je pense que tu as très bien résumé l'histoire. Parler de 100 ans en 15 minutes, c'est très difficile. Oui, mais tu as pris les points, les principaux points. Je pense que c'était très bien. Oui. Très, très bien. Bravo. Merci. Je vais... Non, je ne vais pas arrêter. Après, je coupe les vidéos. Qui est le prochain?
Então, seguiu. Depende que você mora. Não, seguiu. O Ion havia já decidido. Ion disse, né? Vamos lá. Vazio. E après, on fait la pause. E après la pause, les autres trois. Parce qu'aujourd'hui, vous avez vu qu'on n'a pas tombé? Oui? Ah! Oh Maintenant, là là. nous sommes dans un autre niveau. J'ai mis à niveau le Zoom. Maintenant, je suis Zoom professionnel. On ne va plus tomber. Alors, nous n'avons pas d'excuses. Oui, voilà. Maintenant, on ne tombe plus pendant les présentations parce que c'était un peu ennuyant. Ok. Vas-y, Guillaume. Bom, j'ai décidé à propos de la guerre de sept ans, qui a été déroulée entre 1756 e 1763. C'est un sujet plus difficile que j'ai pensé, parce que c'était très complexe e je déteste, parce que j'ai lu beaucoup et je ne savais que mettre dans le texte. Donc, j'ai essayé de faire un bref résumé, très mal fait, je pense, mais j'ai essayé de reparler plus que j'ai écrit. Donc, la guerre sept ans est aussi appelée la première guerre mondiale parce que ela é entre lutar dans l'Europe, dans l'Amérique do Norte e Central, dans les Indes, dans l'Afrique. Então, c'était le premier moment que, sur tout le continent, il y a guerre. E aussi, je pense que c'était aussi appelé la catastrophe française. Je pense que les Français adorent ça dans la guerre. Comi beaucoup de rare e faire beaucoup de catastrophe. C'est incroyable, la idiotie des généraux français, de leroy français, mais quand même, nous devons continuer. Donc, pour montrer à vous qu'est-ce que c'était le théâtre de cette époque, quand la guerre se tenait à commencer, nous avons des alliances, ok? D'un côté, la France avec l'Autriche, la Russie et l'Espagne contre l'Angleterre, qui était fait une alliance avec la Prussie et Portugal. Et le Saint-Empire germanique. Beaucoup petits pays germains. Donc, comme vous pouvez voir dans ces cartes, nous allons avoir beaucoup de batailles dans l'Europe, dans l'Amérique do Norte, dans l'Afrique, dans l'Inde, dans les Philippines aussi. Et que, après ça, les conséquences seront majeures pour l'Europe, pour les Français, principalement. E por la política de todo el mundo. A Europa, por ser de dizer como é la ordem europeia avant, nos avon pesane après la succession en Autriche, la guerre qui s'était déplacée en Autriche pendant 8 années 1740-1748. Et dans ce moment, nous avions une alliance différente, la France avec la Prusse et l'Angleterre avec l'Autriche. Après, le pays de l'Autriche, l'époque, qu'est-ce que c'était? La France de les Bourbons
et l'Autriche de la Habsbourg, c'était le plus puissant empire d'Europe. Mais nous avions un petit pays, la Prusse, qui se montrait avec volonté de grandir et a envahi la Silésie. Donc, la France formait une alliance avec l'Autriche. La Prusse a fait une alliance avec les Hanovre, qui c'était le principal des pays germaniques, et l'Angleterre. Et la France et l'Angleterre, dans ce moment, avaient aussi beaucoup de bagarres dans l'Amérique du Nord. Avant ce moment, nous avons déjà 10 ans avant ce moment, nous avons déjà la guerre dans l'Amérique du Nord, pendant les colonies britanniques et les colonies françaises. Et quand la guerre de la Prussie, Autriche et tous les autres de l'Alliance a commencé, nous avons une liaison des événements en Europe et Amérique du Nord. Ok, porque já écrit um breve resumo. Après la guerre sociale d'Autriche, la Prusse agrandit son territoire dans la Silésie. É um território très riche sous domination autrichienne. La Grande-Bretagne étend ses colonies, la 13 colonies, en Amérique du Nord et son influence en Inde. En supposant français que c'était le dominant en Inde. Beaucoup de rivalité. Quand Frédéric II, qui c'était le roi de Prusse, invade la Saxe, de Silésie, la guerre s'éclate. Comment vous pouvez voir, vous connaissez la histoire? Les Britanniques s'installaient dans les 13 colonies, ici, les 13 colonies britanniques. Et la France est un territoire très vaste dans le Canada et l'Ouest américain. Mais est un territoire peu peuplé. Il y a dans tout le territoire français 70 000 personnes. Et dans le territoire anglais, plus de 1 million de personnes. Donc, c'était condição própria para uma guerra entre eles. E a visão de colônia de Ferrand entre a Inglaterra e a França. A Inglaterra pensava que a colônia seria très importante por donner la dominância mundial. E a França pensava que a colônia seria. C'était une chose méprisante pour donner argent et se alimenter. Donc, quand a commencé avec les colonies britanniques, les colonies françaises, Louis XV, n'importe qui paie de renfort aux soldats canadiens. La marine française là-bas n'est pas rivalisée avec celle d'Angleterre. Quand la guerre en Amérique du Nord a commencé, la France a conquisté parce qu'elle a appris avec les Amérindiens, les Indiens, technique de ferrand de bataille. Donc, ils vont faire beaucoup de victoires contre les colonies britanniques. Mais après le renfort de Georges Le second, la guerre se renverse. E c'était très facile, je dois dire, pour les Britanniques dominer le Québec et après Montréal, qui chute sans bataille. C'était très facile. É totalmente désabusé e perde tout le territoire en Amérique. La guerre en Amérique a fini en 1776.
1760. E o CNN, parece que se tem uma guerra mundial. Se tem um pé de ferrão, parece que os europeus nem até instalaram como na América do Norte. Eles avaliam como atuar, a dominância por le comércio. Eles avaliam uma aliança com aquele príncipe. E isso é importante. Os franceses meprisaram como ele apelava, le noir indien. E c'était très facile aussi pour l'armée britannique renverser les dominances de Pondichéry, Chennai, Magog, en Inde. La France après perd tous les Indes, même que après la guerre, pour les négociations, elle a récupéré, mais récupéré sans pouvoir fortifier, sans pouvoir faire une armée. Mas c'était un désastre absolu pour la France aussi. Imaginei que a França decidir de meter toda a força francesa dentro da Europa. Começa até a guerra na Europa. Se tem um mate nulo. Após 7 anos, tu resta ele mesmo. Tu resta ele mesmo. Rien changé na Europa. La France pensait qu'il pouvait envahir la Inglaterre avec les bateaux quand la guerre a commencé. C'était humilié. Donc, en février 1763, après 7 ans de conflit, la paix est signée de manière humiliante pour les Français que la France a fait la signature de la paix en Paris. E a perda de França são très fortes, très lourdes. É América do Norte, que é o território de la Nouvelle France, até très vaste, perde la totalité. Ela restait avec des petites îles, c'est alemã, por la pêche. Le Canadá excedeu a Britannique em totalité, e Louisiana é o espanhol. La perte humaine, mense, la France perde, imaginez, comparé la guerre de 100 ans, de 100 000 combattants contre 20 000 soldats britanniques. Pour voir comment restait la Nouvelle-France, tout territoire britannique après la guerre 7 années. Mais pourquoi j'ai dit que c'était avait. Essa guerra a donné conséquences très fortes pour tout le monde, parce que c'était uma terra très coûteuse pour la France, bien sûr, mas aussi pour l'Angleterre. Quando a guerra finir, a Inglaterra augmentou le impôts pour les colonies britanniques, que a fait quoi? La Révolution américaine, pour ne pas y pas, ça. E en France, que c'était uma humilhação por la monarquia. Après ça, la monarquia é très faible. E a commencé quoi? La chute de la monarchie, la Revolução Francesa. Donc, tout le monde a renversé après cette guerre. Le prestige de la monarchie s'est remis à temps, lors de ce conflit. L'armée française est vaincue en Amérique et en Inde. Uma associação de defesa embaraçante contra ele Hanover, que ele era germano, era um show de trem humilhante, parece que era um armê très petit em comparação à la puissance française. E por l'Autriche aussi, parce que l'Autriche a fait uma aliança por compter avec l'armée française, e quando ela vi, ela doa demander l'aide à la Russie. Donc, après cette guerre, nous avons un fini de la dominance de l'Ouest d'Europe pour l'Est d'Europe, avec la Prussie, l'Autriche, la Russie. Et le traité de Paris met fin à l'expansion coloniale du Royaume de France.
E em ce moment, la Grande-Bretagne, c'est le grand vainqueur qui a commencé la domination mondiale avec sa dominance avec toutes les colonies en Amérique du Nord, avec l'Inde. Et aí, avec la révolution industrielle, c'était le plus puissant pays du monde. Quelques photos. Les chutes de Montréal. Merci. Très bien, Guillaume. Non, je pense que tu as dit que tu avais fait un mauvais résumé, mais je suis pas d'accord parce que tu as Non, pris les principaux points aussi. je pouvais parler en alemão à propos de la chute de Québec, de Montréal, Oui, il y a de beaucoup de choses à Canada, parler. de beaucoup de choses. Dele desastre francês avec le dans l'Europe e dans ce Oui. moment. Mais ce que tu as parlé à la fin sur l'importance de la guerre de 7 ans est très important parce que Oui. exactement cette guerre, elle a apporté des nouvelles choses après. Donc, comment on peut dire, elle a enchaîné d'autres événements qui sont majeurs. Donc, Ouais, même pour les l'importance bancaires. de... Oui, voilà. Oui, pour les deux côtés. Donc, c'est pour ça que c'est une guerre très importante. Si on peut parler qu'une guerre importante, mais enfin, jamais une guerre est une bonne chose, mais enfin, il y a Fait certains qui partie. disent que oui, qu'elle est nécessaire. Donc, très bien, Guillaume. Parfait. Et on fait une petite pause. Oui, on peut faire peut-être 10 minutes aujourd'hui, comme on a 2h30 de classe, c'est un peu plus long. Donc, on revient à 19h50 et OK. pour écouter les autres 3 exposés. Donc, Très bien. à tout à l'heure. À Maintenant, tout on à l'heure. tombe seulement quand on veut tomber. Ça, c'est bien. Bisous. Bisous.